Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue en direct pour le débrief à chaud de ce match entre Bordeaux et QRM. Score final 0-0. Bordeaux qui fait un trait sans doute définitif sur les espoirs de monter en Ligue 1, même si mathématiquement c'est encore possible. On va en parler ensemble. Je vous présente l'équipe autour du micro et on file ensuite au Matmut Atlantique pour retrouver le journaliste de l'équipe, Laurent Crossis. Secta, bonsoir. Bonsoir. Pardon. Joris, bonsoir. Salut l'équipe, salut les passionnés. David, bonsoir. Salut Nico, Secta, Seb, Laurent, Joris et à tous nos auditeurs sociaux et non sociaux. Seb, bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir toutes les quais. Bonsoir. Et messieurs, on ne perd pas de temps. Place au duplex. Monsieur Laurent Crossis, c'est parti. Bonsoir Laurent, bienvenue. Bonsoir à tous. Oui. Comment ça va ? Bon on vient d'assister à un tour d'honneur entre guillemets des marinés blancs qui et une partie du virage les ont sifflé, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense que ce soir, en effet, Bordeaux a tiré un trait définitif sur une éventuelle participation au play-off. Et puis surtout, Nico, tu l'as pas dit, mais la relégation est à 4 points seulement ce soir. 4 points. J'allais y venir, puisque Concarneau, qui est 17e, a 33 points. Dunkerque a noté à 34 points. Dunkerque revient à 3 points des Girondins. Hein. Ouais. Bordeaux a 37 points. Donc, Bordeaux est à 4 points seulement des clubs, du dernier club qui lutte pour se maintenir. Ouais. Et on peut dire que QRM, quand même, même si mathématiquement n'est pas sorti d'affaires, et Annecy, ça va être très dur pour eux. Puisqu'ils ont 27 points tous les deux, ils sont quand même loin derrière. Et que pour Valenciennes, le point d'orgue de la saison sera la demi-finale de Coupe de France contre Lyon, parce que je pense que les espoirs de maintien, c'est terminé pour le club nordiste. Alors, moi, si jamais tu me donnes la parole, parce qu'en général, tu me tout donnes suite. Au début, je ne pensais pas qu'il allait faire aussi froid déjà. Moi, ça va tenir en 3 points. Oui. Ballotage, parce que Bordeaux joue encore le maintien. Et plus que jamais, beaucoup d'occasions ratées ce soir. Encore, c'est une occasion ratée pour éventuellement revenir parce que les résultats pouvaient être positifs. Mais là, c'est un ballotage pour les Girondins. Un troisième B, c'est que décidément, ils ne savent pas jouer contre les blocs bas. Ils sont sur des rythmes moderato, comme on dit en musique. Parfois même adagio, lentement. Très lent ce soir, c'était très lent. Mais oui, et ils ne sont jamais allegro. Et enfin, si j'ai un troisième point, un troisième B, puisqu'on est à Bordeaux, Bokele, c'est vraiment un combattant. J'espère que sa blessure, sa sortie ce soir, ne présage pas du pire. Parce que ce soir, on a vu un Bokele qui a remonté les bretelles tout le monde, qui compensait quand il fallait, qui se battait et qui était quand même au four et au moulin. Et je ne sais pas si ça s'est vu à la retransmission télé, mais il y a quand même eu quelques gestes d'agacement de Barbé à un moment donné quand un ballon n'allait pas assez vite, etc. Voilà, moi, je pense que ce soir, on a vu les limites de ce schéma qui ne sait absolument pas fixer l'adversaire pour renverser, qui ne sait pas dépasser les fonctions pour quelques joueurs et qui ne sait pas dédoubler. Donc là, voilà, maintenant, on envoie Annecy à la prochaine journée. Et si je me rappelle bien, on reçoit le PFC. Oui, tout à fait. Après la trêve internationale, Annecy, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'encore une équipe qui va mettre de l'impact. Et ça, les Girondins n'aiment pas. Alors moi, je veux bien entendre Albert Riera ce soir me dire que Bordeaux a eu la possession. Mais il y a eu combien d'occasions nettes, les Girondins de Bordeaux ? S'il n'y a pas Johnson à 2-3 reprises, ce soir, Bordeaux peut aussi perdre. Voilà. Et j'ai en tête l'arrêt à la 50e. Et à la 59e sur Koulibaly. Koulibaly à la 59e, mais juste avant, où il fait un arrêt décisif aux alentours de la 50e du pied. S'il le fait pas, on perd. Quoi. Voilà. Quand il y a 5 défenseurs comme ça, 3 milieux qui viennent et qui viennent perturber les transitions des Girondins et les deux attaquants font un bon pressing comme ça, il fait le cash en première période, Bordeaux est totalement atone. Moi, j'ai noté quand même que la première frappe des Girondins, c'est Pedro Diaz, 22e. Voilà. Et qu'il a fallu quand même à la 24e, 2 minutes après, un De Lima qui est venu couvrir sa défense centrale. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pas vu une équipe qui jouait. J'ai entendu dans les travées, je vais répéter, nul à chier. Voilà ce que j'ai entendu en tribune de presse. Et oui. Bah,
Voilà, c'est très, 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 très. Je dirais pas que c'est très inquiétant, mais bon, voilà, je pense que il y avait pas énormément de monde. Je crois que j'ai même pas vu l'affluence ce soir. Mais je pense qu'il y aura de moins en moins de monde au stade vu les prestations, vu le peu d'enjeux et vu le spectacle fourni. Parce que le football doit rester aussi un plaisir. Et moi, ce soir, j'en en ai pas pris, même si je suis toujours content d'être là. Voilà. Mmh. Merci Laurent pour ton avis. Tu restes encore un petit peu avec nous. Tu peux rester un peu avec nous encore? Ou bah, tu vas aller en conférence de presse? Moi, si c'est pour entendre Albert Herrera, je vais vous dire honnêtement, il ne va pas aimer ce que je vais dire. Enfin, s'il écoute, hein. Si c'est pour l'entendre me dire qu'ils ont eu la position, qu'ils ont été meilleurs, ce discours-là, ben, non. Bah, jusqu'au temps que me vire la tribune de presse, je veux bien rester. Hein. Bon, parfait. Non, mais tu fais un constat imparable. Hein. Je salue tous ceux qui sont connectés. On est diffusé sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous savez que c'est important. Salut aux sociaux qui nous soutiennent, sans qui il n'y aurait pas cette émission. David, tu veux réagir au propos de Laurent ? Oui, je vais réagir au propos de Laurent et je vais d'ailleurs abonder dans son sens. C'est une copie stérile, une copie sans idée, une copie maintes fois revue. Il n'y a absolument aucun changement de rythme, il n'y a aucun dépassement de fonction, il n'y a aucune prise de risque, que ce soit dans les courses, que ce soit dans les transmissions. Il n'y a absolument aucune créativité, il n'y a aucune solution en sortant du banc. Puisque aujourd'hui, alors on a des blessés, mais QRM avait plus de solutions en sortie de banque que nous. Et encore une fois, alors je veux bien entendre et parfois admettre qu'il y a du mieux depuis l'arrivée de Riera, mais j'ai surtout l'impression que Khalid Johnson embellit vraiment la feuille de marque pour Albert Riera. QRM, pour vous donner une idée, à 8 millions d'euros de budget, on en a 42. Et QRM est venu chez nous et est devant dans quasiment tous les compartiments et surtout a été plus dangereux. Donc voilà, QRM finit à 1,21 XG, on en a eu 0,56 à domicile et QRM a plus créé dans 3 des 4 quartans du match, parce que vous savez que j'aime bien subdiviser le match en 4 quartans. Donc voilà, c'est une copie complètement insipide, indigeste. Inacceptable pour une équipe qui, de l'aveu du coach à son arrivée, de l'aveu du capitaine Johan Barbet, se focalisait encore sur la montée. Laurent, merci David. Laurent, pourtant, il a essayé de faire des choses. Alors, c'est vrai qu'il manque Weisbeck, il manque Ellis, il manque Nsimba. Qui c'est qui manque Bioumla, même si Bioumla, c'est une révélation récente. Il a essayé de faire des choses. Il a mis 3 jeunes, 2 Lima, Pitou et Vétro titulaire. Mais c'est trop faible, quoi. Bah, c'est faible, ok. Il n'y a pas de sortie de banc, il n'y a pas de remplaçant parce qu'à un certain moment, quand à l'heure de jeu, on se pose la question inéluctable, qui va pouvoir être l'impact player, qui va pouvoir tenter de faire la différence, être un finisseur, comme le dit Galtier pour le 15 de France. Il y avait Eli Volant et il y a quand même un petit désaveu parce qu'il fait sortir Vétro et c'est pas Eli Volant qui fait entrer. Et c'est pas Eli Volant qui fait entrer. C'est NG. Il y a quand même eu des choses ce soir, des signaux forts. Oui, il a signalé en Conf de Presse, il a appuyé sur ce point en disant « j'ai pas un effectif pléthorique ». Oui, il l'a pas. Oui, il a fait entrer des jeunes. Oui, il a tenté des paris. Mais là, ce soir, il les a perdus. Voilà. N'en déplaise à Albert Herrera, ce soir, il a perdu la bataille. Il a été moins bon dans les zones de vérité, notamment offensives. Moi, j'ai vu un David Tachvili, comme d'habitude, courir. Comme d'habitude, se démener, mais comme d'habitude, ne pas trouver de solution. Il y a eu, à un moment donné, c'est seulement en seconde période qu'on a vu un appel dans la profondeur, un appel croisé. Moi, je pense que Vétro était trop loin de Vipotnik et il ne pouvait pas assez l'appuyer. Et Vipotnik a été servi. J'ai noté parce que ça m'a quand même assez frappé. Le premier ballon où il est vraiment servi, c'est un centre de Michelin. Et il est servi à la 83e. Il est temps de se retourner et contrer. C'est-à-dire que le premier ballon, j'allais dire, relativement exploitable, c'est 83e pour Vipotnik. Je pense qu'on a déjà eu le débat sur Vipotnik. S'il n'est pas alimenté, il ne pourra rien faire. Ce n'est pas un joueur qui va créer. C'est pas un Il y a la passe de Pitou en première mi-temps, Laurent. Tu sais, la passe croisée de Pitou. Je devais dormir. Je devais déjà m'endormir. Non, mais moi, ce soir, j'ai vu un match insipide. Hein.
sincèrement. Est-ce que depuis le stade, moi j'avais, et après je vais passer la parole à tout le monde, hein, mais on profite de Laurent qui est au stade. Est-ce que depuis le stade, moi j'ai trouvé que c'était très très lent. J'ai noté sur mon calepin, 25e, ça joue en marchant. Mais est-ce que c'était vraiment très lent dans le jeu aussi depuis le stade? Oui. Moi je comprends pas. Je comprends pas qu'ils aient pas mis de la vitesse du jeu. C'est quoi? C'est problème physique? C'est pas mental? Il nous a dit que la tête va bien. Ouais, il l'a répété. C'est quoi? C'est pourquoi ils mettent pas de, ils accélèrent pas? Bah déjà pour accélérer, il faut avoir des solutions. Il y a personne qui vient décrocher. Ça bouge pas. Personne qui vient proposer soit un décrochage, soit un dédoublement. Delima, c'est sur les 20 premières minutes, c'est démené aussi. Mais il y a personne qui vient proposer. Quand vous êtes défenseur central, comment voulez-vous, ou milieu défensif, comment voulez-vous? Il n'y a personne qui vient. Ou alors les solutions, Pitou, à un moment donné, on a 2-3 échanges sur le côté, Pitou et Zurico d'Habitashvili, voilà, ça tricote. Mais après, derrière, ça manque d'efficacité, ça manque d'impact, ça manque d'idées, de génie aussi dans les courses. Parce que pour déstabiliser une défense, je vais reprendre les propos de Suodo ou de Noex, hein. C'est l'appel qui déclenche la passe. Hein. C'est l'appel qui déclenche la passe. Et moi, quand je vois les Girondins qui font les mêmes courses, qui font les mêmes appels, comment voulez-vous déstabiliser une défense? Et il n'y a pas les appels nécessaires pour jouer dans le dos de cette première ligne de trois milieux de terrain qui venait bloquer. Il n'y a pas d'appel. C'est l'appel qui déclenche la passe. Donc, si vous comptez sur votre partenaire qui a le ballon pour vous donner la passe et le bon ballon, non. Il n'y a pas, c'est là où je rejoins David, il n'y a pas ce dépassement de fonction, cette intelligence de déplacement. Voilà. Et là, on le voit, c'est on l'a souvent répété, c'est un effectif qui techniquement est relativement moyen et qui, là, ce soir encore, a prouvé que face à des blocs bas, il n'avait pas le QI football pour dépasser une organisation défensive, j'allais dire, très stricte. Voilà, on l'a vu. Moi, je ne vois aucun appel dans cette équipe. Je ne vois pas un joueur qui tente de proposer une solution. Voilà. C'est tout. Et pourtant, ce n'était pas une surprise. Si vous avez lu l'avant-match et vous avez écouté le talk, Jonathan D'Agostino, il l'avait dit, QRM, c'est un 5-3-2. Ils vont venir bloc bas, voire bloc médian, parce qu'ils n'étaient pas si bas que ça. C'est là où c'est intéressant ce qu'ils ont proposé. En première mi-temps, ils étaient assez bas quand même. C'est bien simple, ils ont mis du surnombre dans toutes les zones où ils ne voulaient pas être en danger. Nous, on attaque en 3-2-5. On a toujours Ignatenko qui descend à la ligne de 2. On a notre double pivot, on a les latéraux au large, et après, on a les trois offensifs. Eux, ils ont défendu en 5-3-2. C'est-à-dire que, et dans la ligne défensive et au milieu de terrain, ils étaient en surnombre. Donc les mecs, en fait, si tu veux, après, ils attendaient juste qu'on se découvre et ils ont joué les coups. C'est juste mathématique, en fait, le plan de jeu de QRM. Et c'était, comme tu l'as dit, attendu. Jean-Louis Garcia l'avait annoncé hein, aussi. Hein. Et quand on connaît un peu les options tactiques de Jean-Louis Garcia, qui est quand même passé au Girondins, passé dans d'autres clubs, à Lens, etc., il a souvent ces options-là. Voilà, il n'aime pas être pris en défaut. Il a toujours dit, moi, pour avoir lu des papiers quand il était à Lens, des articles pardon, du temps de France Foot Hebdo, il a souvent dit, je n'aime pas être pris au dépourvu. J'aime bien gérer, j'aime bien avoir toujours le surnom et donc l'option de créer le décalage. Et là, ce soir, ils l'ont fait. Ils ont joué, ils ont déroulé leur plan de jeu. Hein. Est-ce qu'on peut dire que, tiens, mais Secta, que QRM aurait mérité de gagner? C'est dur à dire hein, en tant que supporter des Girondins, mais. Ah, on t'entend pas, Secta. Attends, ton micro. Ouais, faut que tu remettes ton micro. Ouais. Oui. Du coup, rebonsoir à tous. Mérité, moi je crois qu'en football, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc mérité, c'est un bien grand mot. Il y a des équipes qui jouent bien qui perdent, des équipes qui jouent mal qui gagnent. Bon, mérité, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient en mesure de gagner. C'est ça, moi, qui m'inquiète. À peu de choses près. Ils allaient marquer et ça n'aurait pas été spécialement un hold-up parce que ça a été dit en termes d'occasion. En fait, c'est eux. Et nous, avec notre possession à deux balles, ça ne mène à rien. Quoi. Donc, avoir le ballon ne veut pas dire gagner, ni même mériter de gagner. Voilà, pour aller dans le sens de ta question. Sinon, moi, je veux bien dire maintenant que, personnellement, j'ai regardé ce match. Moi, j'ai trouvé ça affligeant, minable.
minable. C'est ce que j'ai trouvé. Les Girondins de Bordeaux régressent depuis quelques matchs. C'est sans queue ni tête. C'est-à-dire qu'on nous fait l'apologie d'un style de jeu qui est censé nous emmener vers une domination absolue sur notre adversaire. Et en fait, on se retrouve à faire de la passe à 10 avec un niveau technique tellement affligeant que nous n'arrivons même pas à enchaîner un minimum de passes constructives, j'ai envie de dire. On en est là aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire à conserver le ballon, ce qui est le leitmotiv de notre coach. Et personnellement, je suis saoulé. Tout ça, c'est que de la com à deux balles. Et je suis saoulé. Je l'ai déjà dit ici, le jeu espagnol, mais je goûte très peu le jeu espagnol. Il y en a qui aiment ça. C'est dans une certaine condition que c'est jouable, avec un certain type de joueur. Et en France, ça n'a pas cours. Notre jeu est un mélange de jeu athlétique, d'un peu de technique quand même, de vélocité, de course. Ça, c'est le jeu français, Ligue 1, Ligue 2 confondu. Si vous ne pouvez pas répondre une certaine vitesse d'exécution dans vos passes et une certaine vélocité, un certain niveau athlétique dans votre investissement, dans votre engagement dans le jeu, vous n'existez pas en France. Tiki-taka ou pas, ou tout ce que tu veux. Pour moi, tout ça, c'est du flan. C'est du flan. Ça ne mène à rien du tout. Alors, moi, je veux bien, j'écoute. J'ai dit dans le passé, enfin récemment, passé récent, que sur certains matchs, le coach a eu des réussites. Mais grosso modo, nous perdons les mecs. Nous perdons Diaz. Vous avez retrouvé le numéro de Diaz ? Qu'on l'appelle au moins, qu'on lui demande s'il va bien. Il était pas mal ce soir. Mais il est nul ! Qu'est-ce qu'il me raconte qu'il va bien ? Il était nul. C'est le seul qui tire au but ce soir. Nul. Secta est remonté. Bravo. Il aurait même marqué, il aurait été nul quand même. Son match était minable. Je suis désolé. Techniquement, dans l'investissement athlétique, dans l'engagement qu'il met dans ses passes. Tout à l'heure, Laurent a dit que nous, il n'y avait pas d'appel. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette affirmation, dans le sens où, par exemple, pour parler de Diaz, mais combien de fois il y a eu de sa position lorsqu'il venait récupérer un peu en 6, vous savez, des fois, il vient compenser en 6, ça tourne un peu, il prend l'axe du terrain. Des Vétro qui demandaient, ou d'autres, peu importe, qui demandaient dans la profondeur, en fait, il fallait juste jouer en première intention. Ce mec ne sait pas jouer en première intention. Il faut qu'il contrôle 3 fois, 4 fois, qu'il garde le ballon, qu'il fasse une passe à 3 mètres plutôt qu'à 25. C'est fini. Il a montré certaines choses en début de saison, mais c'est terminé. Il n'y a plus rien. Quant aux jeunes, moi, je veux bien, ils ont les qualités de leurs défauts, les défauts de leurs qualités. Moi, je pense qu'il faut mettre des jeunes, mais je ne pensais pas qu'il allait en mettre autant dans le même match. Il n'avait pas le choix, là. Hein. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. Il n'avait pas le choix, là, Secta. Je veux bien l'entendre. Et Colmier était quand même en souffrance. Il était obligé de tenter de Lima. Voilà, il l'a tenté. Vétro, il avait du temps de jeu, lit volant. Il était un peu, j'allais dire, dans le dur sur les derniers matchs. Il n'a pas eu trop le choix. C'est vrai que là, entre Weisbeck, Biulla, Ellis, Nsimba, bah, il se retrouve avec un effectif. Bah, maintenant, il va jouer le maintien avec cet effectif. Vous imaginez, après je donne la parole à Joris qui ne l'a pas encore eu, et à Seb, on fera un essai tout à l'heure, mais je ne le vois pas connecté. Vous imaginez qu'on n'a même pas de 9 en doublure, quoi. C'est-à-dire que le 9, la doublure que tu as recrutée, qui est Badji, que tu as payé 3 millions d'euros, il n'y a plus de doublure en 9. Hop. Parlons déjà du 11. NG, je veux bien qu'on parle de l'effectif et tout. Là, il y a une équipe sur le terrain. Vous voulez me dire que là, de ce que vous avez vu là, il y a quelqu'un à part notre gardien qui a grâce à vos yeux ?
bon, notre défense a tenu le coup. Heureusement. Bokele. Oui, Bokele, effectivement. Ça, je ne peux pas l'enlever. D'ailleurs, maintenant, la chose est claire, c'est lui. Ça a toujours été lui. Bon, bref. Donc, mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas d'autre mot. C'est affligeant. Ça a été très clair. Voilà. Affligeant. Dire, c'était clair. Je pense que ça... Tu retranscris la vie de beaucoup de monde ce soir, je pense. Nicolas, je pense qu'ils sont en train de nous demander de quitter la prise de presse. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure ? Que maintenant, tous les matchs vont être décisifs pour éviter le pire. Parce que moi, je veux bien l'entendre. Hein, je vois toutes les semaines les réseaux sociaux dire « Ouais, on va jouer les play-offs, les six. » Mais il faudrait peut-être que les gens soient un peu lucides sur la qualité intrinsèque de ces joueurs, sur la qualité de cette équipe et sur l'objectif maintenant de fin de saison. Il reste 10 journées, il n'y a que 4 points. Ouais, on vient me chercher pour dire de je disons. Et ça ne traîne pas, sinon après la location, c'est plus cher. Oui, on vient me demander, voilà. Je vais juste dire, ils vont jouer le maintien jusqu'à la fin. Voilà. Je suis en train de me demander si je ne vais pas aller à Annecy, du coup. Voilà. La région est jolie. Hein. La région est jolie, en effet. Là, on m'a demandé officiellement de, j'allais dire, débarrasser, mais de quitter la tribune de presse. Donc, je vous salue à tous. Sectara, salut Laurent. Joris, Nico. Bye bon. Laurent. Bah, écoutez, merci pour ton intervention. Rentre bien. Ciao Laurent. Ah, bah, là, pour une fois que je suis sur place, je vais en profiter. Bonne soirée à tous. Bon débrief. Et puis. À très vite. À très vite. Au revoir. Voilà. Au revoir. À la suite au prochain épisode. Allez, salut Laurent. Messieurs, Joris, quand tu entends tout ça, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et j'intègre Seb. Alors, ben, je suis dans la même lignée que tout le monde. On a vécu une grosse purge ce soir qui fait mal parce qu'on a le sentiment d'un retour en arrière quand même par rapport à la dynamique qu'on avait ces derniers temps. C'était quand même plutôt positif. Dominateur, oui. Et Laurent le disait très bien, c'est pour écouter la conférence de presse de Riyad après match où il dit qu'on est dominateur, etc. Oui, c'est ce qui va se passer certainement. Mais je trouve qu'il confond souvent le fait de dominer, le fait de maîtriser un match. Oui, on domine ce match. On a un bloc qui est plus haut, on a la possession, on a tout ce que tu veux, mais on maîtrise absolument rien sur ce match. On maîtrise pas offensivement. Techniquement, c'est tellement faible qu'on n'arrive pas à se procurer des occasions. On maîtrise absolument rien défensivement, c'est-à-dire que QRM nous attend en contre et les grosses occasions qu'ils ont, c'est que sur des contres. Et Jonathan D'Agostino l'avait dit, c'est pas une surprise. QRM, ils sont là-dessus depuis plusieurs matchs. Ça fait, ils sont sur 4 clean sheets consécutifs, je pense, maintenant. Ouais. C'est leur système de jeu. Et il n'y a rien de surprenant. Et on assiste quand même. Oui, voilà, on savait. Mais surtout qu'il y a eu exactement la même équation à résoudre contre Rodez. Exactement la même. Le même système, exactement la même. Exactement la même. Alors, le même système, à la différence près que Rodez, quand même, ils avaient des pistons qui étaient bien plus rapides et qui étaient bien plus offensifs que QRM, qui vraiment nous attendait bloc bas. Alors que Rodez essayait de jouer un peu, mais effectivement, le système était le même. Après, l'intensité, les qualités intrinsèques des joueurs n'étaient pas tout à fait les mêmes, quand même. Mais oui, on aurait pu penser que ce match face à Rodez aurait été une bonne préparation, mais pas du tout. On est un peu dans le même, au final, dans le même acabit que le match de la semaine dernière. Peu créatif, un gros manque de spontanéité, vraiment criant. On parlait de créativité, mais j'étais content de la composition de Riera en début de match, honnêtement, de faire monter des jeunes. Effectivement, la profondeur de banc, elle est pas exceptionnelle. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. C'est des jeunes comme Vétro, en plus, que je trouve qu'ils méritaient une titularisation. Ça a pas porté ses fruits. Donc, évidemment que c'est la faute de Riera, mais j'en attendais mieux et j'attendais surtout de plus de spontanéité de ces gamins, quoi. De Lima, difficile de lui en vouloir parce qu'il est pas sur un poste d'ailier, il est latéral. On le sentait un peu coincé, un peu hésitant parfois à se dire « je joue le 1 contre 1, je le joue pas, si je joue le 1 contre 1 et que je le perds, derrière, est-ce qu'on va m'assurer ?» Donc il n'y a pas eu cette étincelle-là et on a vécu une grosse purge. Merci Joris, tiens un message d'Alexandre Gauthier qui nous dit « bonsoir à tous, j'étais au stade, franchement, ça jouait à la baballe, c'est vrai ». C'est vrai que ce manque d'envie et d'intensité, c'est vrai qu'il baisse. Est-ce que c'est l'absence de Weisbeck ? On va en parler dans un instant. Mais j'ai donné la parole à Seb, qui a réussi à se connecter. Salut Seb. Salut Nico, tu m'entends bien ? Non, très mal. Décidément.
Ah, voilà. Là ah oui, là, très bien. Bon, ah, t'écoute, bien. Seb. T'es bien installé, là. T'es tranquille. Ah, je suis tranquille comme un... Je suis tranquille comme un pacha parce qu'avec cette purge qu'on a vue là, Tu t'es endormi. Je m'étais un peu endormi, un peu assoupi, un peu à la Nikos, tu vois. Donc sur tous les matchs que j'ai vus de Bordeaux de la phase retour, ce que je tenais à dire, ça a été le match le plus ignoble que l'on a fait de la phase retour. On n'a rien montré. C'est même Kevin qui a eu les meilleures occasions. Encore un grand merci à Johnson ce soir. Qui nous sauve quand même la mise, encore une fois de plus. Et Dieu sait qu'il nous sauve des points depuis la phase retour. Mais là, on n'a rien montré. Kevili nous a bien joué, a été bien organisé. Et puis, on n'arrive pas face à des blocs bas à poser notre jeu. Et comme je suis un peu d'accord avec Sekta, Diaz ce soir, si je devais mettre une piquette ce soir, on en parlera tout à l'heure, et je l'ai pas trouvé très, très, très bon. Et même si, bon, sur coup de pied arrêté, j'avoue, c'est un bon tireur de coup franc. Mais mis à part ça, dans l'impact, dans le box-to-box, comme diraient les Anglais, j'ai pas trouvé Diaz percutant. Et puis pour ce qui est des choix de Riera ce soir, Diaz, il a fait son match. Il y a rien à lui reprocher. Pitou, j'ai trouvé plus que moyen. Et puis pour Vétro, j'aurais préféré, tu vois, le voir rentrer en cours de match, parce que pour moi, ça l'a plus flingué qu'autre chose que de le faire jouer en début de match, que de le titulariser de l'entrée. C'est mon avis en tout cas. Ben merci. On va développer tout ça. Tiens, il y a Youssef qui nous dit salut Youssef, le Bordelais, qui nous dit t'as l'impression que c'était un match amical. Quoi. C'est pas. Je trouve que c'est très révélateur comme remarque. Merci Youssef. David, est-ce que l'absence de Weisbeck est beaucoup plus importante dans la conduite du jeu, ou c'est global, c'est collectif ? Non, mais je pense que clairement, en fait, si statistiquement, il pêche régulièrement, c'est un joueur intéressant et c'est un joueur utile, parce que c'est un joueur qui supporte le pressing, qui va demander qui cherche les zones libres pour créer, qui est pas toujours servi, qui est pas toujours juste, mais à défaut d'avoir du courage dans le duel, il a du courage balle au pied, c'est-à-dire que il va essayer de chercher des solutions, et c'est pas une des raisons principales. La raison principale de la prestation, oui, certes, il a manqué parce qu'il a de la qualité, mais c'est surtout le fait que on n'arrive pas du tout à trouver la solution face à un bloc bas médian, mais qui est très franchement, c'est pas du tout nouveau en fait. Si tu veux, c'est dans tous les championnats, il y a toutes les équipes font face à des équipes qui défendent plus bas, plus compact et qui joue la transition. Enfin, c'était pas une surprise pour QRM, c'était pas une surprise pour Rodez, ce sera pas une surprise pour Annecy. Voilà, maintenant, Albert Riera, ça fait quand même 18 ou 19 matchs qu'il est là. Il sait ce qu'il veut mettre en place, il l'a dit, il sait qui il va rencontrer. J'ose espérer qu'il étudie ses adversaires. Je suis persuadé que c'est quelqu'un de très travailleur et de très précis, donc qu'il le fait. Et voilà, après, oui, Weisbeck contre les blocs bas, clairement, c'est quelqu'un qui, avec son pied, peut te débloquer des situations. Mais je vois vraiment, vraiment pas de progrès dans la résolution de ce problème. C'est dommage parce que, alors, ça va vous faire sourire, mais le premier quart d'heure était vraiment très bon. Ce soir, c'est-à-dire qu'on on était beaucoup plus agressif, on a récupéré haut, on s'est pas créé, on a eu une occasion, mais et je pensais qu'on allait continuer dans cette veine, mais non, enfin, on n'a pas ni les qualités, ni les compétences, ni le QI foot pour forcer ces verrous-là. J'ai le sentiment, et je salue Girondin React, hein, qui nous dit « Salut les Girondins, quel dommage de passer à côté des trois points. C'était infâme, vu du stade. La coupe est pleine pour pas mal de supporters. Oui, et pour que ça siffle à Bordeaux, il faut vraiment que ça aille mal. Hein. Donc, ils sont sortis sous les sifflets. J'ai l'impression que tu pourrais mettre n'importe quel joueur dans ce 11, dans cette organisation, ben, ça fonctionnerait pas mieux. Je sais pas. C'est l'impression que j'ai aujourd'hui.
Peut-être qu'il faut attendre le retour de ceux qui sont blessés, mais bon, il n'y en a pas tant que ça qui sont blessés. On ne peut pas dire qu'Ellis était indispensable. Mais surtout qu'il faisait du bien. Même quand on n'avait pas de blessés, ce n'était pas forcément forcément mieux. Je pense aussi qu'il faut recontextualiser. On fait beaucoup de communication à Bordeaux. Donc, il faut recontextualiser l'effectif, la qualité de l'effectif, malgré le budget, se focaliser sur qui nous sommes à l'instant T. Quelle est la qualité et la qualité que nous produisons, quelle équipe elle nous permet de battre. C'est-à-dire que moi j'étais un peu estomaqué qu'après le nul à Rodez, on était beaucoup plus proche comptablement et en nombre de places du maintien, mais on continuait à nous abonder de messages, à nous bombarder de messages. La lutte pour les playoffs, il faut regarder devant, c'est pas encore fini, il faut absolument, j'ai envie de leur dire, mais les gars, dans quel championnat, le 13e en fait, qui est plus proche de la zone de relégation, ils bombardent en com toute la journée en fait, pour nous dire qu'on peut encore monter. Certes, mathématiquement, c'est encore possible, et là, on est à 5 points de la 5e place, mais focalisons-nous sur le contenu. Le contenu, ça fait quand même quelques semaines que, moi je veux bien dire que à Rodez, c'est l'esprit d'Albert Celis qui nous a permis d'aller décrocher un match nul. Mais le fait est que le contenu, très 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 franchement, il est au mieux sinusoïdal et au mieux irrégulier depuis l'arrivée de Riera. Voilà. Et ce soir, c'est encore l'exemple éclatant. Et tu sais pourquoi il y a toute cette com? Oui, parce qu'on est en train d'essayer de faire rentrer un investisseur et qu'il faut embellir la mariée et qu'il faut, de toute façon, depuis l'arrivée de Gérard Lopez, il y a une espèce d'union sacrée qui est décrétée tous les mois de mars. Alors, c'est l'union sacrée pour la montée, l'union sacrée pour pas descendre. Pour la DNCG, c'est l'union. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est l'union sacrée tous les trois mois. C'est l'union sacrée tous les trois mois. Donc voilà. Mais, bon, on va voir. On va voir qui sera le fautif cette fois-ci, parce qu'on a eu, il y a aussi cette faculté à accuser un responsable, à pointer du doigt un responsable. On a eu Guillon le responsable. Qui c'est qu'on va voir? On a eu le vestiaire toxique, les responsables. On a eu Christophe Futot avant d'absurde Christophe Futot. Finalement, c'est plus Christophe Futot, c'est David Guillon. Non, mais c'est un épisode de Julien Esco, les Girondins. On passe. Non, mais c'est vrai que c'est fatiguant. Non, mais après, le responsable, écoute, ça c'est plus un sujet, en fait, si tu veux. Non, mais je sais, mais c'était pour parler de communication. Nico, on a 42 millions, on a dépensé 12 millions et demi. Et t'as 42 millions et t'as NG sur le banc, quoi, les gars. Oh, il est passé Nico, où l'argent? Nico, on a dépensé… Passé où l'argent? On a dépensé une fois et demie plus que le budget sur le marché des transferts que le budget de fonctionnement de QVI qui aurait mérité de gagner. Voilà, tout est dit. En fait, on ne peut pas en dire plus. Si tu veux que je résume le match, voilà. Nous avons dépensé 12 millions et demi. Le budget de QVI est de 8 millions. QVI, chez les Girondins de Bordeaux, aurait mérité de gagner. Voilà, je vous laisse la parole. Et on a perdu chez eux. Donc, face à QVI 18e, on a pris 1 point sur 6. Voilà. Sector, je te passe la parole. Je ne sais même pas sur quoi te lancer. On est sur le match, on part un peu pour tout. Parce que bon, on a beaucoup de frustration quand même. Moi, j'ai des choses à dire toujours. Vas-y. Je vais rassembler toute... la bienveillance. Je te mets plein écran. Toute ma bienveillance pour continuer à parler. Moi, je crois que, il faut. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'entends notre effectif et ci et ça. Moi, mon grief, ce que je ne comprends pas avec le coach, c'est que il ne se donne pas les moyens de ses ambitions, ou alors il ne sait pas ce qu'il veut, ou alors il nous enfume, ou alors. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qu'il veut. Il veut une possession et il veut atteindre minimum, il aimerait atteindre minimum la cinquième place. Mais sans s'en donner les moyens. Initialement, il voulait monter directement. Quand il est arrivé, il a dit, j'ai l'effectif pour monter directement. Voilà. Et nous l'avons, l'effectif, pour monter directement. C'est ça le truc, c'est-à-dire que même si là, on n'a pas un gros banc, il y a des circonstances. Il y a un mec à l'hôpital, il y en a un autre sur le flanc. Des blessures musculaires. Il y a un ou deux. Ça fait partie d'une saison. Voilà, ça fait partie d'une saison. Donc, c'est possible que sur un ou deux matchs, on soit un peu chahuté en termes d'effectifs. OK, j'entends ça. Bon, mais on a la possibilité. C'est-à-dire que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'équipe ne soit pas tournée vers la victoire et l'efficacité. Je m'explique. Tu travailles la possession de balle. Et effectivement, dans la plupart de tes matchs,
tu as des 70%, des, vous me dites si je me trompe, hein, des, on a même eu des pointes dans des matchs à 80%, il me semble, des fois, dans des pointes dans le match. Hein, c'est pas tout 60, le match. 70 au mieux, on des fois un peu moins. Alors, mais, là, quand j'ai regardé à la 40e, on était à 78 à la 40e. Ah bon, on est d'accord. Donc, on a des le points, savait, ça. On a des points. Ah, non, mais je m'explique. Vas-y, je te laisse parler. À partir du moment que c'est ce que tu prônes et que c'est ce que tu as, du coup, sur le terrain, une forme de possession molle comme ça, là, hein? Pourquoi tu ne te donnes pas, c'est ça, hein, je dis même pas ça de manière, c'est ce qui retranscrit le plus ce que je ressens. Stérile. C'est stérile, il ne se passe rien et les passes, les transmissions entre joueurs sont molles et répétitives. Donc, moi, je me dis pourquoi tu ne vas pas directement au bout des choses, par exemple. J'ai écouté l'interview, enfin la conférence d'avant-match, où il parlait de Delima. Delima, il disait, ben, il a des qualités offensives, il ne faudra pas le brider, il faut absolument être offensif. Vous allez me dire, je me répète, si les gens suivent les débriefs ou les émissions avec moi depuis quelques mois. De l'autre côté, tu as Michelin, qui a exactement la même caractéristique. Très offensif, très bon, qui emmène beaucoup de centres. Ce sont deux qualités. Puisque tu as le ballon, bordel. Pardon. Puisque tu as le ballon, d'accord, tu l'as tout le temps. Pourquoi tu ne places pas ces mecs-là? Ils sont cinq derrière. Pourquoi tu ne fais pas un jeu? Je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Enfin, je ne dis pas n'importe quoi. J'ai une petite idée. Mais je ne suis pas coach. Tu vois, tu as trois défenseurs centraux. Tu as trois défenseurs centraux, on en a trois qui sont là disponibles. Tu les mets pour gérer les contre-attaques. Et puisque tu as le ballon, bon Dieu, tu te donnes les moyens d'aller marquer. Oui, mais ça, il essaye sur les côtés. Il essaye. Ouais, mais moi, il essaye pas. Ils essayent. C'est mal fait. On a Ignatenko et les deux centraux et on a nos deux latéraux très, 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 très haut quand même. Alors, je vais vous dire ce qu'il veut faire. Parce que c'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon parce que notre comment je vais dire ça? Notre jeu est trop lisible. Est trop lisible. Son jeu, c'est de faire d'un troisième central d'un mec latéral. Hein. C'est ça. Hein. On penche d'un côté, on penche de l'autre. Donc c'est un coup après l'autre. Les équipes adverses ne sont jamais surprises. Ah oui. Elles sont toujours à 2-3 contre 1. Elles ne sont jamais prises à défaut. C'est lent. Et pour moi, la manière qu'il utilise pour faire ça, non, mais manière dont il s'y prend n'est pas la bonne. Mais je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach, on va me dire où est ma légitimité. Mais moi, je pense, et les résultats me donnent raison. Et les matchs qu'on voit me donnent raison. Sur les latéraux, quand même. Sur les latéraux. Joris, après Seb, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, les gars. Sur les latéraux. Moi, j'ai regardé le match de Delima. Eh bien, tu sais que Delima, il n'a pas demandé dans l'espace tout le temps. Il n'a pas tout le temps dédoublé. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Par moment, il ne dédoublait pas. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne dédouble pas? Pourquoi il prend pas l'espace? Mais moi, je me suis fait la réflexion inverse, en fait, mais ça te rejoint. Non, mais ça rejoint ce que tu dis, en fait, sur le dédoublement, c'est-à-dire que j'ai trouvé Michelin et Delima très haut, là où, au final, Vetro et David Hachvili ne proposaient pas de dédoublement, ils étaient vraiment fixés dans l'axe. Ça fait que le nombre de fois où Michelin s'est retrouvé en 1 contre 1, et c'est ce que dit Secta aussi, le nombre de fois où Michelin se retrouve en 1 contre 1, encore c'était rare, plutôt en 2 contre 1 avec deux adversaires de QRM, pareil pour Delima, et t'as Vetro qui fixe dans l'axe, ou t'as David Hachvili qui fixe dans l'axe, ou qui reste derrière parce qu'il se dit s'il y a une contre-attaque, on va rester. Enfin, du coup, t'inverses les postes, en fait, t'avais Delima et Michelin qui étaient très offensifs, et t'avais David Hachvili et Vetro qui essayaient de courir derrière au cas où on perdait la balle. Mais je rejoins Secta, je joue le coup à fond. Vas-y, dédouble. Il y en a eu combien des dédoublements sur le côté gauche et le côté droit? Jamais. Est-ce qu'ils sont pas trop hauts?
Et du coup, ça mange l'espace des joueurs devant. Je ne sais pas, c'est une question. Je ne sais pas. Je me pose cette question. Les joueurs devant ne courent pas en biais. Notre avant-centre ne court pas en biais vers la touche, tout ça. Il mange l'espace de personne. Notre avant-centre reste dans l'axe. C'est sa caractéristique, c'est son jeu. Ça prend la place de personne. Et Davitashvili était très axial. C'est que Vétro, qui de temps en temps se déportait, mais malheureusement, n'avait pas de réussite, on va dire. On va dire de réussite ce soir. Mais je suis désolé, hein, je te coupe dans ton intervention. Mais c'est pas assez dans ce qu'il leur est demandé. C'est pas assez. Et moi, là où j'ai un souci, vraiment, en plus de tout ça, vraiment, c'est que j'ai le sentiment que l'état d'esprit… Alors, il a dit qu'il a travaillé la confiance, qu'ils ont plus confiance. Certes, parce qu'il leur a donné quelque chose de clair, le redoublement de passes, tout ça. Et donc, ça amène de la confiance parce qu'en fait, tu as le ballon pendant tout le match et ça te donne un faux sentiment que tu maîtrises les choses. Comme ça a été dit, tu ne maîtrises pas les choses, en fait. Tu as juste le ballon, mais de manière stérile. Mais comme tu as le ballon, ça rétablit une forme de confiance, ça ramène une forme de confiance parce que tu ne subis pas les vagues comme on a pu subir à des époques. OK, mais ça en trompe l'œil parce qu'en vérité, il manque toujours quelque chose de fondamental qu'il y avait déjà, qu'on avait déjà comme manque à l'époque de Guillon. C'est-à-dire que l'état d'esprit insufflé à cette équipe n'est pas un état d'esprit de tueur. C'est des mecs qui sont là et ils jouent à la baballe. OK. On va parler de l'état d'esprit dans un instant. Je vois David hocher la tête. Je donnerai la parole à Seb aussi et à toi, Joris. Juste un instant. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à liker, à partager. Si vous êtes sur, vous êtes très nombreux là. On diffuse aussi sur X. Vous êtes plus de 500 sur X ou 400, j'ai vu. Plus de 500 sur X. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner au compte, à vous abonner aussi sur YouTube et à devenir sociaux pour nous soutenir. Voilà. Ceci étant dit. L'état d'esprit, c'est quelque chose, je trouve, qui est un peu déclinant depuis plusieurs matchs. Moi, je parlais de problèmes physiques, c'était avant Rodez. Donc, avant Rodez, c'était je ne sais plus quel match. Mais est-ce que ça décline, Seb, l'état d'esprit? Est-ce que tu trouves qu'il est déclinant, l'équipe? Parce que moi, je n'ai pas vu des joueurs qui voulaient gagner le match en tant que spectateur. J'ai pas eu le sentiment de voir des joueurs qui dépassent leurs fonctions, qui s'arrachent, qui sortent un peu de leur rôle, qui se mettent les tripes sur le terrain. Moi, j'ai pas l'impression. Alors, je suis un peu d'accord. Il y a l'aspect technique, j'oublie pas l'aspect technique et tout ça. C'est pas le football n'est pas que de l'engagement physique. Mais néanmoins, je trouve que je reste sur ma faim sur ce point. Je suis d'accord avec toi, Nico. Tu m'entends? Oui, très bien. Je suis d'accord avec toi, Nico. Il n'y a aucun joueur qui ne dégage un état d'esprit à travers ce match. Il n'y a aucun leader, alors que Barbé, notre capitaine, il est censé être un leader. Par exemple, Ignatenko, ce soir, on n'a pas vu le Ignatenko qu'on a vu à Rodez. Moi, je suis désolé de dire ça. Diaz, je suis désolé. Je suis un peu d'accord, comme je vais encore le répéter. Je suis un peu d'accord avec Sekta, au lieu de progresser, je trouve qu'il régresse. Et je sais pas si c'est mental ou physique, mais pour moi, c'est plus physique. Parce que ce soir, franchement, physiquement, c'est fait manger par Kevilly. Parce que je pense que Kevilly, ils ont mal joué leur coup. Ils auraient mieux joué leur coup. Et ben, ce soir, on perdait le match. Mais pour moi, c'est vraiment un état d'esprit général. Les leaders, Barbé, Ignatenko, Diaz, on les a pas vus, et puis Vipotnik, toujours pas servi, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal, je suis d'accord avec Sekta, c'est pas normal. Joris, sur l'état d'esprit, tu as ce même ressenti? Est-ce que, je vais plus loin, est-ce que dans leur tête, parce que moi, la dernière conférence de presse, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'ils ont autant le coach que, je crois que c'était Bokele, ils ont dit, mathématiquement, tant que c'est encore possible, la cinquième place, on se doit d'y croire. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit… Il est ravi de la crèche. Non, moi, c'est ce que je me suis dit. Ils s'auto-persuadent, ils le disent parce qu'il faut le dire. Mais dans leur tête, ils ont déjà lâché. Ils savent que c'est impossible et qu'ils ne reviendront jamais. Et c'est pour ça que je pensais que ce match allait être très difficile. Parce que je me suis dit, tu vois, j'ai perçu le fait que… les mecs, non, ils ne sont pas fous. Hein. Ils connaissent leur niveau, ils connaissent le niveau du championnat. Et ils se disent, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il y a moins d'intensité, moins d'envie, parce que les mecs, ils sont rincés. La saison, elle est complètement ratée. Et ils s'en aperçoivent, il reste 10 matchs à jouer et on est toujours 13e. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Joris?
Moi, jusqu'à Rodez, je trouvais qu'il y avait quand même, dans l'état d'esprit, c'était plutôt intéressant. Il y avait une bonne dynamique qui s'était créée. Pour moi, Rodez, c'était un point d'interrogation. Est-ce que c'était l'effet hélice un petit peu qui était là sur le match, avec voilà, son absence qui trottait dans les têtes et son état de santé, même si voilà, les joueurs avaient appris qu'il était sorti du coma un petit peu avant. Et là, ça confirme un peu cette baisse de régime, effectivement, face à Rodez. Dans l'état d'esprit, ce n'était pas ça du tout. Alors que je trouvais que, ouais, franchement, il y avait du mieux, mais je suis d'accord avec toi sur l'auto-persuasion. Et c'est lisible, c'est risible que Riera met ça en place depuis qu'il est arrivé. Il l'a toujours dit, il ne s'en est jamais caché, le sourire, tout ça. Je ne sais pas si ça a pris avec les joueurs. En tout cas, dans le jeu, je trouvais ça mieux. Dans l'état d'esprit, je ne sais pas si les joueurs ont lâché, mais enfin, moi, depuis la phase retour, moi, j'ai lâché sur l'aspect remontada et play-off. Par contre, je n'ai pas lâché sur l'aspect maintien, du tout. Et si tu regardes le classement déjà bien avant Rodez, je m'amusais toujours à comparer avec l'éloignement qu'on avait avec le 17e. Malgré les victoires à domicile et les nuls à l'extérieur, le 17e faisait que grappiller des points sur nous déjà depuis 3-4. Ouais, Dunkerque pour longtemps. Hein. Ouais, et puis t'as un championnat qui est tellement homogène que, enfin, à ce moment-là, Dunkerque qui peut se prendre à rêver de jouer les playoffs et Grenoble, ils peuvent serrer les fesses. Et le championnat est ce qu'il est. Mais voilà, on se fait grappiller des points par le 17e. Alors maintenant, c'est plus Dunkerque. Depuis déjà 4 journées, on avait 7 points d'avance, on est passé à 5, on en a plus que 4. Alors oui, au classement, on est toujours 13e, mais le fait est que le 17e se rapproche. Même si le 5e s'éloigne pas, mais le 17e se rapproche. Et j'espère que mentalement, les joueurs vont. Peut-être qu'ils ont lâché les playoffs, mais il faut bien qu'ils se rendent compte que notre place dans le ventre mou de la Ligue 2, elle n'est pas du tout assurée. David, sur l'état d'esprit ? Moi, je pense que c'est pas qu'ils ne veulent pas gagner, c'est qu'ils savent pas gagner. C'est pas une question de vouloir. Dans oui, l'état oui, d'esprit. Je suis non, d'accord. Mais je comprends ce que tu dis. Je comprends qu'on puisse mettre en cause en fait leur volonté de se dépasser ou quoi que ce soit, mais ils sont enfermés dans un schéma qui est trop scolaire et je pense que quelque part, qui les paralyse, en fait, si tu veux. Et donc, ils ne savent pas gagner. Qu'est-ce qu'ils sont plus occupés à appliquer les consignes qui sont relativement strictes de l'entraîneur qu'à forcément sortir de ce carcan et de se dire… Bah là, il va peut-être falloir que je dépasse ma fonction, que j'aille outre les consignes, que j'en fasse un peu plus, que j'adapte les consignes, pas juste que je les applique, que je les adapte, pour le bien de l'équipe. Et on voit que quand le match devient un peu fou, quand ils mettent de la folie, comme Vétro à Amiens, comme Ignatenko à Rodez, eh ben on est tout de suite plus dangereux. Là, en fin de rencontre, pourquoi on est plus dangereux en fin de rencontre? Parce qu'on sort de ce carcan. Parce qu'on sort de ces consignes et parce qu'on sort de ce jeu de position qui enferme les joueurs. Parce qu'on voit très bien que c'est ultra scolaire. On a des sorties de balles scolaires, on a des déplacements scolaires. C'est lisible. En un coup d'œil, on peut voir notre structure, donc c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on ne la déforme pas tellement, cette structure. On la garde. Et quand on la déforme, quand on dépasse cette fonction, quand on met un peu de folie, quand on se ligue de ease, j'ai envie de te dire… Et bien là, on devient plus intéressant quand on se ligue de his, parce qu'on peut garder notre structure, mais à partir d'un certain moment, il faut adapter tes idées au contexte en fait, dans lequel tu évolues. Et on voit que quand on se ligue de his, là, on devient dangereux. Je pense que ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de savoir. Ouais. C'est ça. Je voulais vous montrer le classement, puisque je ne l'ai pas affiché pour tous ceux… qui viennent de se connecter ou qui sont connectés. Alors, je vais vous enlever la bannière, si j'y arrive. On voit que Bordeaux est… Je ne sais pas si vous y voyez bien. Vous le voyez bien, le classement, ou pas ? Ouais, j'ai agrandi. Alors, c'est moi qui ne le vois pas, en fait. 13e. Bordeaux est toujours 13e. On finira peut-être 13e. Avec des équipes, en fait, qui, derrière nous, en fait, qui sont sur une bonne dynamique. Donc, Dunkerque, qui sort pour la première fois de la zone rouge. Dunkerque est un vrai directeur sportif. Comme quoi, ça peut servir. Ils ont pris 10 joueurs à la trêve. Ouais, très, très bon recrutement. Made in Ligue 2, très, très bon recrutement. Bah, Gaëtan Courté, ils ne sont pas allés chercher sur Mars. Hein, donc, Gébamin, là. Je ne sais pas comment on le prononce. Très très bon joueur. Gébamin, tout à fait. Ouais, alors, lui, il avait été transféré quasiment 50 millions à Everton. Il a des petits soucis, mais c'est du réseau. Voilà, ouais, c'est du réseau. Il est arrivé. Voilà.
Loïc Bessilet, qu'on connaît un tout petit peu à Bordeaux, à Edmond Morel. Il a signé finalement Bessilet, je sais que j'avais fait. Qui était en prêt à Clermont, au passant Ganté, qui était à Châteauroux. Bah, voilà, c'est des joueurs qui viennent de la porte à côté, en fait. Mais alors, pour tu parler des intentions, si je peux me permettre de citer la sortie d'Albert Riera en conférence de presse, désolé, il parle de Quevilly-Rouen. Désolé, s'ils disent qu'ils ont joué pour gagner, ils mentent. Tout est dit. C'est-à-dire que voilà, tout est dit. C'est encore un exercice de com. On incrimine l'adversaire. Il vient de dire ça, là, Albert Riera. Il vient de dire ça. On se place moralement au-dessus de l'adversaire. Voilà. Mais jusqu'à quand on va nous faire croire qu'on va protéger le groupe? Le manque d'humilité, le manque d'humilité, c'est hallucinant. Et oui, c'est. Je pense que je trouve qu'il est raccord, moi, avec le reste du club, Albert Riera, en termes d'humilité. C'est vrai que c'est un bon choix, finalement, de la part de la direction du club. Non, mais il y a des rencontres qu'on a dominées sans gagner. Mais là, très franchement, ça fait combien de rencontres que tu te fais prendre en transition, que tu es sauvé par Kalle Jonsson, que tu ne faisais pas jouer au début? À un moment, arrêtons, c'est grotesque. Tu protèges ton groupe sur une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais arrêtons, c'est grotesque. C'est quoi la prochaine étape? Il va faire quoi? Il va envoyer un post Instagram à Jean-Luc Garcia? Sérieusement, les gars, un peu de tenue, quoi. Enfin, un peu de jugeote, un peu de décence. Quand tu proposes ce que tu as proposé ce soir, avoir la décence de remettre en cause les intentions de Quevilly-Rouen, sérieusement, personne ne lui dit rien dans le club. Ne lui dit, non, mais là, Albert, t'es gentil, mais on s'est ridiculisé sur le terrain, on se ridiculise en conférence de presse, on se ridiculise sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'on a un beau maillot, les gars, hein, parce que... Ouais, on a le maillot, mais est-ce qu'on a les valeurs qui vont avec le maillot? Moi, franchement, je vais vous dire, de mon point de vue, le football, surtout en Ligue 2, c'est un sport athlétique et physique où la technique fait la différence. Mais le postulat de départ pour que tu puisses exister, je parle bien du sport pro hein, en Ligue 2, le postulat de départ pour que tu puisses exister dans le match, c'est de répondre athlétiquement. Et ensuite, ta technique fera la différence parce que tu seras plus fort. Tu as beau être aussi technique que tu veux, si tu ne réponds pas à l'engagement de la Ligue 2, tu passeras à la trappe. Et je considère que depuis trop longtemps maintenant à Bordeaux, nous prenons cette Ligue 2 de haut. Vous comprenez? Oui. On prend cette Ligue 2 comme si c'était une formalité parce qu'on s'appelle Bordeaux. Et donc, Riera arrive avec son jeu de possession. David vient même d'expliquer. On joue, on a le ballon. Aucun moment, on se rend compte qu'en fait, il faut un peu aller dans le don de soi, se sublimer un peu. Pour moi, je voyais là ce soir les mecs de Quevilly. Ils étaient battus. Ils mettaient un pied, une tête. Un bras. Combien de fois il y a eu des petits cafouillages, voyez, où on était censé sortir vainqueur du cafouillage parce que notre joueur avait fait une belle fête de corps ou quoi que ce soit, mais on ne sortait pas vainqueur du cafouillage. Pourquoi? Parce que le joueur adverse se battait tellement, en fait, il obtenait le contre. On a vu plein de situations comme celle-là ce soir. Où même quand c'était poussif, même quand c'était pas maîtrisé, eh ben les mecs sortaient vainqueurs des duels parce qu'ils y avaient mis une intention. Intention que Bordeaux n'a pas dans cette Ligue 2. Et je considère toujours que nous souffrons du même mal qui était à l'époque de Guillon, qui est cette forme de condescendance avec la Ligue 2, et de non-investissement, et de non-don de soi pour aller chercher les résultats. Et donc, comme expliqué tout à l'heure, si on veut jouer la victoire, on veut jouer la montée, jouons-la. Allons-y. Mais se dire que on va confisquer le ballon à l'adversaire et qu'on va faire tourner et qu'on va... Ça, va nous... ça c'est du flan. T'en peux plus c'est de ça. Flan. Mais c'est-à-dire que quand tu as la parole et que tu n'as pas les actes, t'es déçu. C'est du flan. Voilà, parce qu'il manque une t'as les promesses et que tu n'as pas les faits. On te promet des choses et tu ne les as pas. Donc autant il de rien. Il manque une promettre. Dimension au jeu. C'est-à-dire qu'on a la hauteur, on a la largeur, mais on n'a pas la profondeur. On a le noir et blanc, on n'a pas la couleur. Il manque une dimension au jeu et qui est une dimension primordiale en Ligue 2. Et il faut qu'il
mettre de côté, qu'il pose cette condescendance-là, qu'on vient d'identifier, cette condescendance à l'égard de la Ligue 2, je ne sais pas d'où elle vient, pour... Ah, moi, je sais d'où elle vient, moi. Pour le coup, je sais pas. Mais disons que... Mais vas-y, elle vient d'où ? Mettre ça de côté pour pouvoir enfin rivaliser dans, au niveau athlétique, au niveau de percussion, d'envie et d'investissement et de don de soi avec les autres. Et c'est d'abord en rivalisant là-dessus que ensuite nous pourrons faire la différence par un éventuel, parce que c'est sur le papier toujours, un éventuel niveau technique supérieur. Un éventuel. À l'image de Diaz. Des nouvelles de Bokele. Moi qui est nul, donc. Ouais, nouvelles de Bokele rassurantes, dit Sud-Ouest. Rien de grave. Voilà. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je cherche la déclaration derrière, je trouve pas. Je sais pas où tu l'as vue. Elle est pourtant, elle est partout. Elle est sur Ma Ligue 2. Elle est sur. Elle est sur Ma Ligue 2. Alors attends, je vais aller regarder. Ah oui, il a dû être au micro de. Alors attends, Ma Ligue 2. Je vais y aller parce que j'aimerais vous la lire parce que je vois tout le monde réagir dessus. Non, mais et encore une fois, moi sur IA, en plus, c'est un peu schizophrénique parce que c'est typiquement. Alors moi, je suis d'une autre école que Secta. C'est le genre de football que j'aime, moi. Donc moi, quand il est arrivé, j'étais excité. Je me suis dit, ah, mais tout ce qu'il dit en conférence d'avant-match, c'est tout ce que je veux entendre. Après-match, c'est tout ce que je ne veux pas entendre. Mais tout ce qu'il dit avant-match, c'est vraiment tout ce que je veux entendre. Je me suis dit, ah, mais on va avoir un entraîneur qui avec un projet défini, quelqu'un qui est pédagogue. Et je ne comprends pas, en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est Dr. Jekyll en avant-match et Mr. Hyde en après-match. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Joris ? Ouais, non, moi je trouve que c'est le même et je suis complètement d'accord avec toi, mais au final, vos visions, enfin, c'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'il prône le jeu, il le défend en mordicus. La victoire, ça passe par le jeu à l'espagnol, effectivement, c'est alléchant quand tu vois l'école de Guardiola ou des équipes comme Arsenal, mais il refuse, mais vraiment, on dirait un caprice d'enfant, d'admettre qu'une équipe qui joue le contre, est capable de te mettre dedans. Quoi. Et c'est ce qui se passe face à Rodez, c'est ce qui se passe face à QRM, et c'est là où il est dans une forme de négationnisme, en disant non, mais on a dominé, c'est comme ça qu'on gagne. Non, il y a des équipes. Et pourtant, il te dit qu'il a 21 systèmes. Tu vois, donc tu te dis, donc en fait, il est prêt à jouer ça, en fait, si tu veux. Et vraiment, moi, je lui donne le bénéfice du doute, je comprends son projet de jeu, moi, quand il me parle foot, ça me touche. Ça te donne des frissons? Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais tu vois, c'est vraiment le discours que je voulais entendre. Et je suis prêt à lui laisser du temps. Mais je ne comprends pas, en fait, ce comportement qui est, à mon avis, contre-productif. C'est-à-dire qu'il il se fait détester par les autres clubs de Ligue 2, mais surtout, les autres entraîneurs de Ligue 2, mais aussi manœuvre. Par une partie des supporters des Girondins. Aucune marge de manœuvre technique, tu n'as aucune marge de manœuvre footballistique et tu donnes à tes adversaires un supplément d'âme. Suffit que Jean-Louis Garcia il aille punaiser le discours de Réa dans le vestiaire et les mecs, ils vont gagner un gain marginal d'1%, 2%, 3%. Mais on n'a pas besoin de ça. Tu sais quoi, David ? J'ai sa déclaration, tu sais quoi, si vous voulez. Juste ça, David, avant, s'il te plaît. Attends, vas-y. Je donne juste sa déclaration. Il a dit, je ne veux manquer de respect à personne. Tout le monde joue avec ses armes. Désolé à l'adversaire, mais s'il me dit qu'il a joué pour gagner ce soir, il ment. C'est mon sentiment. Voilà. On a essayé, on n'a pas réussi à trouver les solutions pour marquer, etc. On a manqué beaucoup plus de situations que nous, beaucoup plus. Vraiment, ils auraient pu prendre ce match, plus que nous. Et pour aller rebondir par rapport à ce que disait David, moi, à un moment donné, je me suis dit ça, je me suis questionné là-dessus, sur ce que tu viens de dire, et j'ai fini par me dire, de ma position, je ne suis pas là-bas, mais me dire que, mais en fait, peut-être que c'est comme ça que lui veut fédérer son vestiaire. Parce qu'il y a des coachs qui cherchent à fédérer leur vestiaire face à une adversité, un prétendu adversaire ou un complot contre soi ou une cabale contre soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui cherchent à fédérer. Il y en a qui veulent fédérer un club même. Qui veulent, oui, mais bon, moi, j'ai fini par me dire ça. J'ai fini par me dire, mais c'est peut-être sa manière de faire pour dire qu'il est tout le temps en clash contre des gens. Et moi, je protège mon groupe pour un peu à l'intérieur créer un truc de « Ouais, on nous attaque, mais nous, on va leur montrer. » Ça va peut-être siège, ouais. Peut-être, tu vois. J'ai fini par me dire ça, moi, à un moment donné. Ceci dit…
quand j'ai entendu, par exemple, la semaine dernière, ce qu'il a dit sur… enfin, comment il parle des coachs, mon Dieu, mais… franchement, on parle de Riera, bon, c'est intéressant. On va pas faire plus sur Riera. Ça fait une heure qu'on est connecté. Mmh. On va parler, on met un petit peu l'accent sur les joueurs, peut-être, avant de terminer ces débriefs avec le classique Grand Cru Piquet. On va se faire classique comme ça, ce qui permet de relever un joueur qui a déçu et un joueur qui a été plutôt bon. Je vous donne la parole, chacun votre tour. Seb, on commence par toi. Ton Grand Cru et ta Piquet. Ben moi, le grand cru de ce soir, pour moi, ça a été Bokele. Il a été omniprésent en défense, même si il y avait un grand cru aussi à signaler, c'est Johnson encore, parce qu'il y a encore un clean sheet. Mm. Et puis, pour la piquette de ce soir, je suis 100% d'accord avec Secta ce soir. C'est Diaz, il n'a pas c'est le métronome du début de saison. C'est le fantôme de l'Ivolan de Westbeck. Voilà. Ok, très bien. Mais merci Seb. Joris. Oui, moi je vais mettre aussi un grand cru Johnson. Voilà, pour les mêmes raisons, il fait le boulot. Hein. Il sort quand même une sacrée parade une fois de plus. Il nous maintient en vie parce qu'on sait que si on prend le premier but, de toute façon, pour nous, c'est terminé. Enfin, en tout cas, ça devient très compliqué. Et en piquette, je mettrais Vetro. C'est un peu dur parce que voilà, j'étais content qu'il soit titulaire. Je trouvais ça mérité. Mais bon, factuellement, il passe à côté de son match. Après, je trouve ça normal. C'est un jeune joueur. Mm. Ils ne peuvent pas tous nous faire des Biumla, nous marquer des buts et faire des matchs fantastiques sur la première titularisation. Donc voilà, c'est un joueur qui a encore une belle marge de progression. Et c'était bien qu'il soit titulaire. Il est passé à côté. Il passera à côté encore d'autres matchs. Mais factuellement, ben, je trouve que c'est celui qui déçoit le plus et qui est le plus passé à côté de son match ce soir. Ben merci. David, tu as un grand cru déjà ? Ouais, j'ai bien aimé le match de Yohan Bardet. Il fait un sauvetage assez impressionnant sur Koulibaly. Et j'ai trouvé que ça avait été le plus courageux dans le dépassement de fonctions et dans les transmissions, notamment en première période. Clairement, c'était mon deuxième choix. C'était Calais Johnson en premier choix, mais comme je le mets quasiment toutes les semaines. Et c'est plutôt inquiétant, j'ai décidé de changer. Donc voilà, Yohan Bardet, je trouve qu'il a fait un match correct. Pas un grand match, mais un match correct. J'aurais pu mettre Bokele aussi, mais je trouve que Barbet était un peu… Je le mets pour le sauvetage et pour peut-être la prise de risque, en fait, un peu dans la relance qui nous manque cruellement. Et en piquette, malheureusement, alors je ne le condamne pas du tout. Je pense qu'en sortie de banc, quand le match devient un peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un peu bordel, que les lignes se distendent, il est très précieux, c'est Julien Vetro. Mais là, on a vu que quand le bloc est compact, quand les consignes sont trop strictes, il va encore avoir du mal à s'affirmer. Donc, je ne le condamne pas du tout. Je pense que c'est un vrai atout à avoir dans l'effectif. Je lui souhaite le meilleur, mais très franchement, c'était très, 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 très insuffisant ce soir. Merci, David. Secta, un grand cru, une piquette ? Alors moi, en grand cru, pareil, je ferais… Ça, peut-être ça ne se fait pas trop, mais je ferais un combo. Je ferai un combo en grand cru, effectivement. Moi, ce serait l'axe central, effectivement. Et j'inclus Johnson. Donc, pour moi, c'est un trio. C'est un trio. Ces trois-là nous ont maintenus dans le match et nous ont permis de prendre ce point. C'est ces trois-là. De par leur placement et leur jeu et leur sauvetage, mais aussi de par l'aura qui dégage sur le reste de l'équipe. Ces trois-là. Et ce soir, très clairement, on ne perd pas ce match parce qu'il y a ces trois-là. Je le fais comme ça, hein. C'est censé être un joueur, mais je considère que les trois là, on est très bien. Au-dessus. Et en piquette, pour moi, c'est Diaz. Pour moi, c'est Diaz. Les autres sont plus jeunes, même si il y en a pour qui je peux avoir aussi quelques avis, enfin un avis, c'est assez tranché. Mais Diaz, non, par rapport à son statut dans l'équipe, ce qu'il montre, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est lent, c'est à côté, c'était pas bon. J'ai regardé ses stats là pendant que tu. Il perd 22 ballons, c'est vrai. C'est beaucoup, hein. 22 ballons perdus, c'est énorme dans un match. Bah, surtout qu'il prend pas énormément de risques en fait. Voilà, tu m'enlèves de la bouche. C'est lent, mon Dieu. Oh là là. Oh. Moi, après, il place des bonnes frappes. Il place des bonnes frappes.
Ben, je ne dis pas qu'il n'arrive pas à faire un truc ou deux, mais s'il te plaît, Nico, il arrive à faire un truc ou deux, c'est sûr. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, même s'il avait marqué, ça aurait été quand même un mauvais match. On a payé 2,2 millions pour 50% des droits. Désolé, voilà. c'est pas bon. On ne peut pas attendre ça de Jazz. En tout cas, ce bon Jean-Louis Garcia nous avait complètement annoncé le déroulement du match. Lui, il a vu le film. Hein. Pour le coup, possession terrestre dans leur camp, à lui, c'est... Et sur Web Girondin aussi, hein, ça avait été décrypté, annoncé dans le talk et dans l'avant-match. Ah, par Jo, c'est... Ouais. Et dans l'avant-match publié. Hein. Ça, c'est avec la vraie question, elle est là. Est-ce que Jo d'Agostino est dans... Non, et dans le staff de Jean-Louis Garcia. Non, j'ai vu Jo. Mais il décrypte tous les matchs comme ça, donc... Parce qu'il est payé par l'adversaire. Mais non, Berreira devrait écouter pour avoir des solutions. Bon, messieurs, c'est pas un match facile à débriefer parce qu'il s'est pas passé grand chose. On l'a fait. 1h07 de débrief. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je laisse une ouverture pour un dernier débat si vous le souhaitez. Non? Personne? J'espère que maintenant les gens vont commencer à comprendre qu'il faut à trop regarder devant pour se faire attraper derrière. À un moment donné. Sans métaphore aucune, hein, on est d'accord. C'est bien sûr. Aucune. Vraiment, premier degré. Et très clairement, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est qu'on est tous des amoureux de ce club. Okay, on est tous des amoureux de ce club. Et le fait de dire ce qu'on dit, c'est souvent des cris du cœur, en fait, en vérité. Mais cela dit, je regrette toujours que. J'ai le sentiment que les réactions au club et dans tout ce qui touche au club sont des réactions, si ce n'est épidermiques, mais de posture en fait. Et je pense qu'ils gagneraient à être un peu plus dans l'ouverture, la compréhension, la simplicité et tout ça. Ils gagneraient parce que je suis persuadé que ce qui va sortir, c'est ce qu'on a entendu là encore de Riera, c'est la faute des autres, c'est machin. Alors qu'en fait, là, c'est plus le temps de dire ça, en fait. C'est plus le temps de dire ça. Là, c'est le temps de se dire, écoutez, resserrons les rangs. Il est hors de question qu'on descende. C'est ça qu'ils font entendre comme discours, là, maintenant. Bon, voilà. Et ouais, plus de simplicité, peut-être la remise en question, mais bon, la saison, mais oui, il reste 10 matchs, l'image, c'est foutu. Arrêtez de faire de la com. Voilà. Allez. Salut Alice, salut Luffy, salut Soufiane, salut Underdog, salut Mika, salut Alexandre, salut Camito sur YouTube, salut PJ Dernis. Pardon ? Je vais rajouter deux choses en 10 secondes. Il y a deux personnes que je vais féliciter. Alors la première, c'est Alexis Pitou, que j'ai trouvé très correct ce soir, d'ailleurs. Oui. J'ai trouvé bien meilleur que ce que j'attendais et bien meilleur que ce qu'on s'entend de jeu laisser supposer. Il y a une belle passe pour Vipotting en première mi-temps. Et j'ai envie de te féliciter pour ton interview de Logan Delaurier-Chaubet. Voilà. Ah, ça semaine. T'a plu? Ah, moi, merci. Je te l'ai dit d'ailleurs, je te l'ai dit personnellement et je le dis devant témoin. Très bon travail, tu proposes du contenu et c'est un vrai plaisir. Voilà, je voulais le dire. Eh bien, merci et merci à QRM, garçon adorable, Logan, qui aurait aimé jouer ce match. Hein, si vous avez lu l'interview, il aurait aimé le jouer. J'aurais aimé qu'il joue contre QRM. Moi. On connaît mon affection pour ce joueur et ce profil de joueur. Ah, c'est vrai, t'aimes beaucoup ce joueur. Ah, bah oui, mais Philippe Etchemendi m'avait même gentiment raillé parce que j'avais dit que ça pouvait devenir le David Silva de Bordeaux. C'était dans une envolée lyrique. Hein. Voilà. Et il m'avait dit, oulala, je vais me toucher pour entendre un truc comme ça. Arrête, quand c'est lui, c'est un volet lyrique, et quand c'est moi qui parle de Sissoko, c'est ridicule. Hein? Allez, messieurs, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci Seb, merci plaisir, Joris. Va te soigner, merci, Joris. J'ai l'impression que t'es grippé un peu. T'as la gros rhume. Ouais, c'est pas une impression. J'étais à Rodez la semaine dernière, il y avait du vent, c'était terrible. T'étais à Rodez. Ouais. Alors la fin là, t'as dû kiffer là le but d'Ignatenko. Ouais, vraiment beau but qui soulageait, qui faisait du bien. Célébré discrètement parce que j'étais pas en parkage, mais c'était chouette ambiance quand même. Allez, et Seb, salut Secta, on te retrouve dans toutes les salles de concert. Oui. Ou presque. J'ai bientôt du niveau pour vous là, ça va être bien. Voilà. Il va remplir le Matmut bientôt, tu vois. Ouais, écoute, pourquoi pas. Maintenant, Bordelais un jour, Bordelais toujours. Hein, on l'attend, Matmut, cette chanson. Hein. Ben, ma foi, ça ne dépend pas que de moi. Ah, ben oui. Et de nous non plus. Ne vous inquiétez pas, on bosse, on dit rien là, mais on prépare des trucs. C'est cool.
Bon, mais c'est bien. Je vous mets le lien sur le chat. Alors là, je sais pas si c'est... Alors j'ai diffusé sur, sur X. On était plus nombreux sur X que sur YouTube quoi, ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, messieurs. Oula, on est 600 sur X. Les amis, abonnez-vous. Rejoignez. Devenez, alors abonnez-vous au réseau déjà. Et si vous voulez passer les caps, devenez sociaux pour nous soutenir parce que c'est grâce à vous qu'il y a autant d'émissions. Et vous avez bon, plein de contenu. Tout est expliqué sur le site. Masterclass, jeudi, initiation à la data, 18h30 en direct. Ça, c'est réservé qu'aux abonnés. Normal. Pour, une fois, on réserve du contenu que pour les abonnés, ceux qui nous soutiennent. Initiation à la data avec DT Football. Voilà, c'est 45 minutes à 1 heure avec les échanges. C'est à 18h30, c'est en direct. Si vous êtes abonné, que vous ne pouvez pas le voir, vous inquiétez pas, il y aura le replay. Voilà. Voilà. Donc, et il y en aura comme ça. Lundi Talk à 19h30. On parlera du nouveau maillot avec notre expert analyse maillot qui sera là, monsieur Denis Brudieu. Un classique. Ah, quand il y a un maillot qui sort, Denis Brudieu, il vient. Donc voilà. Allez, je mets le lien. Il rigole, Joris. Je mets le lien sur, pour devenir sociaux sur le chat. Je crois que ça ne va pas sur X. Je commence à lire les réactions de Samuel. À mon avis, on va avoir du Samuel Vasselin de Gala. Normalement, il est là lundi. Hein. Ah oui, non, mais là, en plus, il m'a l'air. Il m'a l'air. Ah, il a fait un bon tweet. Il va faire une meilleure entrée qu'NJM, moi, je vous le dis. Et pour les Bordelais, là, tous ceux qui sont dans l'agglomération bordelaise, demain, il y a la Nationale 3 qui joue à 15h, je crois, au stade Galin. Voilà. Ne demandez pas contre qui c'est, je ne l'ai pas mémorisé, mais à 15h, donc c'est un match hyper important. Si vous voulez aller voir jouer Piringuel, par exemple, c'est là-bas qu'il faut aller. Vous voyez tous les nouveaux joueurs, tous ceux qui seront dans l'équipe l'année prochaine. En national. <Non. rire> Alors, ça se trouve, on rigole, mais c'est peut-être ce qui va se passer. Rigoler. Il ne reste plus que ça. Il faut rigoler. Allez, on passe un bon moment ensemble. En tout cas, c'était très agréable. Vous retrouvez le replay tout de suite là sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. On veut aussi être aux 13 000 abonnés avant la fin de la saison. Donc, ça va être dur d'y arriver, mais abonnez-vous. Et en podcast, demain sur le site. Voilà, puisque vous avez le podcast maintenant. Presque 10 000 écoutes en un mois. C'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écoutes de podcast. Cool. Voilà. Allez, bonne soirée. Michel Sardou, Nico. Michel Sardou, je sais pas quoi. J'ai pas compris, Michel Sardou. Allez, au revoir. Allez, salut les gars. Tu es Valérie. Bonne soirée à tous. Revoir. Ciao. Bye bye. They used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach ya how to open up real nice, baby. When I